Bonjour, fidèles téléspectateurs de chaîne de télévision et bienvenue, mesdames et messieurs, à ce nouveau numéro de Bonne Humeur, cette antenne d'animation matinale dans laquelle nous avons l'opportunité de pouvoir vous parler de trois petites ou grandes choses selon votre considération. Et juste dans la première partie, nous avons comme habitude de pouvoir traiter de la célébrité du jour, une certaine personnalité célèbre née un certain jour qui corrobore avec la date d'un certain numéro de cette Bonne Humeur. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes le 11 janvier 2023. Nous aurons l'occasion de pouvoir parler de quelqu'un, d'une certaine célébrité née en certain 11 janvier. Et dans la deuxième partie, nous avons l'invité du jour. Dans cette partie, nous avons une certaine orientation comme un portrait. Nous découvrons la personne et puis s'il y a des actualités relatives à cette personne, c'est l'occasion pour nous de pouvoir parler sur cette antenne d'animation matinale Bonne Humeur. Et dans la troisième partie, mesdames et messieurs, vous avez bien sûr l'occasion, au travers les numéros qui s'affichent au bas de vos petits écrans, de pouvoir nous écrire, question de présenter ou soit de souhaiter vos voeux les meilleurs ou soit les voeux d'anniversaire à une certaine personne que vous connaissez, dont la date de naissance corrobore avec ce nouveau numéro de l'antenne d'animation matinale, la Bonne Humeur. Soyez les bienvenus. Nous sommes déjà prêts avec toute l'équipe de Chez Télévision, bien sûr, préparée pour pouvoir vous bercer, pour pouvoir vous accompagner en cette matinée d'aujourd'hui. Restez branchés. Dans quelques secondes, nous allons revenir pour la première partie de cette antenne d'animation matinale Bonne Humeur. Et nous allons bien sûr commencer avec la célébrité du jour. Nous prenons une petite pause et nous revenons. Nous vous rappelons que vous êtes là branchés en train de suivre cette antenne d'animation matinale Bonne Humeur. Et là, nous arrivons directement à la première partie de notre séquence dont nous avons l'occasion de pouvoir parler de la célébrité du jour. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons choisi pour vous Philippe Chevalier. C'est pas bien sûr un choix totalement aléatoire parce que ce type est né en certain 11 janvier. Incontournable humoriste du duo Chevalier et Las Palès, Philippe Chevalier. Il est né le 11 janvier 1956 dans le département de l'Ille-et-Vilaine où il se passionne pour le théâtre, mais avant de monter sur scène, il poursuit une toute autre voie lorsqu'il étudie le droit et obtient d'ailleurs même un diplôme en criminologie. Sa passion pour la comédie est trop forte. Il s'inscrit au cours de Simon avant de suivre l'un de ses professeurs qui vient de monter sur scène, qui vient de monter en fait à sa propre école pour apprendre du théâtre et de l'humour. Il fait alors la rencontre de notre futur comédien, c'était à la personne de Régis Las Palès. D'ailleurs, avec lui, ils fondent leur duo. Immédiatement, les deux humoristes se sentent sur la même longueur d'onde et commencent à travailler ensemble. Et en 1982, ils décident de franchir le pas et montent ensemble sur scène avec leur premier spectacle. Le spectacle en question était intitulé Pas de fantaisie dans l'Orangéade. Donc, pas de fantaisie dans l'Orangéade, c'était leur premier spectacle. Et ils ont également co-écrit, donc écrit ensemble. Avec ce spectacle, ils attirent rapidement l'intérêt des professionnels du spectacle, dont M. Philippe Bouvard. Ce dernier décide de les recruter pour son petit théâtre de Bouvard qui va leur ouvrir les portes des célébrités. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler de ce duo, ou soit de la personne de Monsieur Philippe Chevalier. Il est humoriste et homme de théâtre français. Et sans pour autant tarder, continuons toujours avec sa biographie. Les deux humoristes ont enchaîné dès lors des spectacles à travers la France, où ils remportent d'ailleurs un franc succès, au point que certains de leurs sketchs, tels que Le train pour Pau et les vacances deviennent cultes. Ensemble, les deux compères s'élancent également dans le cinéma en apparaissant dans le Paris
et avec leur propre comédie, Ma femme s'appelle Maurice. C'était en l'an 2002, tout en continuant la scène. Philippe, tout comme Régis, participe souvent à l'émission Les Grosses Têtes. C'était là une petite vision sur la personne de Philippe Chevalier. Bonne humeur, vous êtes toujours branché sur les ondes des chaînes de télévision afin de pouvoir vous divertir ou soit avoir un peu de la connaissance au travers cette antenne d'animation matinale. Bonne humeur. Et là, pour terminer, peut-être la première partie, ce qu'il est à dire, c'est que côté vie privée, Philippe Chevalier rencontre sa compagne Tiffany, c'était en 2006, et le couple s'est marié en 2016. Ainsi donc, s'achève cette première partie de cette antenne d'animation Bonne Humeur, l'antenne matinale, bien sûr, des chaînes de télévision. Et là, nous sommes en train de dire bonne matinée à celui qui s'appelle c'est Mama Oridi. Nous disons également bonne matinée à Christian Bonacheco Boulimouengoumayani Gauthier, mais pourquoi pas à celui qui s'appelle Docteur Normand depuis Kiromoni, je pense, bien sûr, depuis Kiromoni, de l'autre côté de la polyclinique du Grand Lac. Nous pensons également à celui qui s'appelle Fataki Ernest, Chimbo Ernest depuis le quartier Kasenga. Et nous pensons également à celui qui s'appelle Dr. Johnny Kazola-Bitumba, Elia Nobif Kabwa, Emporiste Kankan, mais également à Janvier Makangila, Emporiste Kankan. On est toujours ensemble, mes frères. Nous prenons une petite pause avec la page publicitaire. Nous venons juste après. Question de recevoir l'invité pour cette journée ou cette matinée d'aujourd'hui. Nous sommes, je vous rappelle, le 11 janvier 2023. Vous avez la possibilité de pouvoir nous écrire au travers les numéros qui s'affichent au bas de vos petits écrans. Ça sera pour nous un plaisir de pouvoir vous lire dans cette antenne d'animation matinale Bonne Humeur. Nous revenons juste après cette pause publicitaire. Pour toi, Aiko Sawa. Mie, ni comme Fanya Biashara. Mara nyingi na tumia étoile 14 14 10 kwa faida yake mara mbili. Nina pata message ninayo nijulisha kama nimewila pesa ya cash. Furaha yangu ilikuwa nini? Hii sio ushindi mara tatu. Sie vijana na wabinti, tunazoea WhatsApp, Facebook, TikTok kwa kuifanya ni étoile 14 14 10. Leo nimepima kwa TV, boop, nimeshinda. Inalipa. Nashinda. Sisi wa baba tunapendaga kupiga simu, tunapendaga kuandika. Niliactive forfait yangu ya tatu kwa moja. Ni furahi. Hey, ndiyo, miaka 20 inafaa kuisherekea. Vodacom, mtandao wa pekee na wa kwanza kwa kuwa na jumla ya miaka 20 nchini Kongo. Amewatilia karamu kubwa na zawadi nyingi kwa wanachama wake. Kila siku, shughuli vifurusi vyako kwa kupiga etoile 14 14 10 na nafasi ya kushinda mgao wako wa milioni 600 ya franga kupitia M-Pesa. Unaweza pia kupata pesa kwa kufuguli vifurusi via 50 unité ama zaidi kupitia programu ya Vodacom RDC yangu na M-Pesa RDC yangu. Kwa miaka 20 ya Vodacom, sisi zote twafuraziwa. Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom. C'est Yazid Brissic, c'est encore une fois de bien. Wow, maison multifoot, Vira, une maison anti-stress, Vira, pas de panique et pas de polémique. Vous voulez une bonne chaîne, vous voulez un bon équipement, c'est très simple, avec la grande maison de la place, la maison multifoot, une maison de fourniture de matériel et de kits complets de sport, chaîne Canal Plus et toute autre chaîne. Et nos services, vente, abonnement, Canal Plus et les unités, vente de découverte.
décodeur, Canal Plus et équipement complet. Sikia, décodeur, télécommande, adaptateur, parabolique antenne, câble HD, aussi, installation antenne Canal Plus, installation télévision sur les murs. La maison Multifoot vous fournit un service de qualité. Ouvrir la ville, on attaque basse kuifota michezo, cinéma zawa tot na kubwa, vos chaînes sport, dessins animés, séries films, maubiri, namengina, ukiteka basse ou pat abonnement ya bien. Kibilia kwenye maison Multifoot, yake, Abdul Razak, kwenye maison Multifoot, wanafanya échange de câbles et décodeurs, ukiteka channel yako, wasi kuitumia kama tumizi zuri, ya Congo, kuiweka Bujumbura, fika kwenye maison Multifoot, inapatikana Uvira, kata la Rombe ya Kwanza, aveni Kakungwe na Mambili, opon Kakungwe, chez le manager, fournisseur, Al Abdul Radak, le 243 97 13 62 563, le 089 28 75 802. Ne pars pas ailleurs. Na kelele ki me kwisha, kwenye maison Multifoot, wana wahudumia kazi zote za Canal Plus. Voilà, nous voici donc revenus cette fois-ci de manière un peu différente. Nous sommes déjà deux sur ce plateau de Chadi Télévision. Et je vous rappelle que nous sommes dans la deuxième partie de la bonne humeur antenne d'animation matinale de Chadi Télévision de chaque mercredi et chaque samedi. Et Tayari Tukona et Bwana Shukuru Shemitalo. Jambo la karibu. Jambo sana ndugu mtangazaji na asante kwa aliko pia. Unakuwa mtaalamu wa mambo ya kijamii, Bwana Shukuru Shemitalo, quelle a été votre passion pour la sociologie pa kujikute katika hali hata kielimu uweze kujielekeza zaidi kwa mambo ya kijamii? Asante. Kwa kweli passion que j'ai eu pour faire la sociologie, au fait que quand j'observais les faits et les événements au sein de la société, hakuna mtu ambaye anaweza kudécouvrir ma événement ya société yake kama haiko savant wa société. Alors tous ceux-là qui pensent connaître leur société sans faire la sociologie, et donc ils ne savent rien de leur société. Alors moi yo nguma ikanibidi ni fate sociologie ili ni elewe zaidi comment les faits sociaux zina eleweka namna gani. Na ile ilinifanya niingie mwa ile domain, pia ikanifanya nizame zaidi katika hali ya kutaka kujua namna gani mawasiliano, malien socio zinaweza kufaidisha mtu. Na hapo ndio mimi niko na developer ici ku théorie ya capital social, comment est-ce que les relations sociaux peuvent arriver à faire réussir la vie au niveau de la société. Donc kwa ufupi ni ile ilinifanya niingie katika hali ya sociologia. Et ça a commencé comment? C'est juste au niveau de l'école, de l'université, au niveau de quoi ça commence en campagne à sociologie, ou bien depuis le bas âge, cursus scolaire, au niveau a toujours été inspiré la mambo ya sociologie zaidi. En tout cas, dès le bas âge, nous avons tout mon étage qui est mawasiliano, kupendelea, kupenda watu wengine, kuwatafuta, kuwashughulikia. Et quand nous faisons l'école secondaire, nous faisons technique sociale. Ça nous fait technique sociale et quand nous bidons, nous faisons kupata guu ya sociologie, namna gani watu wanavyoishi. Nikakuwa mpatanishi zaidi, nakuwa mtu wa ma resolution de conflit, nakuwa mtu wa hapa hivyo wakorogana, napenda ni watie pamoja. Ikanifanya ni develope ile culture na ile guu ya kuhamasisha, kutia watu pamoja, kusensibilize, kumobilize, kutia watu pamoja ili watembee, ili kufika maendeleo fulani. Na ile kanikree guu ya sociologie. Alafu nikafika msenkiem des humanités,
ni kwa nasoma kwa sociologie générale nikapata ba auteur comme ba Midirikem ba Auguste Comte ba Marx Weber ba Karl Marx ambao wanasema sana juu ya société alors il can créer émulation et c'est ainsi que je suis parti à l'université à l'IOB pour faire la sociologie même si en troisième cycle il me fait la sociologie du genre les rapports sociaux des sexes namna gani mwanamke na mwanaume wanaweza kusaidiana ili jamii ipate kusonga mbele namna gani développer leadership mu vijana ambao watu tuna encadrer ili jamii yetu jamii yenye kusimama yenye kuwa na malengo bora katika hali ya jamii yenye kusimama yenye kuendelea voilà un peu msukumo en fait, wangu vous n'êtes pas le seul fruit à ma université na ma institution supérieure. Il est toujours déplorable que de voir un cadre académique qui revient au fait de l'université incapable de dire même ce qu'il a fait à l'université, mais vous faites la différence. Labda, ni parcours scolaire gani, shukuru chenitalo, ni mtu ambaye ameweza kusoma katika ma condition gani, pour avoir le profil dans ma capacité zenyo konazo. Bon, actuellement, niko la parcours niko elogé, kirisi si yangu ya masomo. Mais né dans une famille modeste, pour ne pas dire pauvre. Okay. Mais, parce que j'ai eu Sukumana, tu as fait l'école primaire, tu as fait l'école secondaire. Ça te couche à pas. Où l'école primaire, l'école secondaire L'école primaire, tu as fait changer ma école, l'école s'appelle l'école Baptiste, puis Mitumba. Puis, tu as fait l'école secondaire, tu as fait l'école de Zawadi, diplôme pour l'Institut Ekima, pour l'Ekima, tu as fait 5e, 6e. Pas n'est pas ta diplôme yangu ya technique sociale tulikuwa plus ya 50 personnes tulizo batatu nikatoka mu 2007-2008 nikaenda ku université officielle de Bukavu c'est là où j'ai fait la faculté de sciences sociales département sociologie na nikatoka pale nikaenda Bujumbura nikafanya université lumière pale nifanya 3e cycle maîtrise institution société n'a pas ni pas ta maîtrise en sociologie du genre na l'autre qu'on a pu gâcher donc ta pas ta thèse et doctorat na tout comme ma procédure d'inscription na hiyo ilikuwa inanisukuma sana nitaka kuelewa nini njo société na pas kufanya kuformer parce que quoi les toi tunaita la socialisation et la culturation comment mtu anaweza comment mwai asili mwai mila mwai desturi na wakafanya kitu ambacho kinaleta maendeleo katika jamii yao sasa watu wengi wanataka kugandamiza mila na desturi ya Kiafrika ila ukigundua ndugu mtangazaji mila na desturi za Kiafrika zilichangia kujenga watu muhimu katika jamii katika société wala katika dunia lakini wasomi wengi wanataka kuonesha kama Afrika haina vipaji na hapa tunataka tufanye utafauti kuonesha kwamba tuna vipaji tuna ujuzi ili kuonesha kama jamii yetu inaweza kusimama na kwenda mbele na chanzo ya jamii kusonga na kwenda mbele ni wakati wamegundua sociologie wala sociologia kama msingi wa maendeleo donc kama watu watasahabu sociologie anthropologie mu jamii yao ile société inaweza kudisparaître na kutakuwa maendeleo na kutakuwa na créer des ordres mu niveau ya parcours ya maisha ya jamii yote. Voilà, vous êtes appelé par-ci, par-là, question et à faire ma analyse, et vous êtes dans le monde de l'emploi, dans le domaine de l'enseignement. Ni ma défi gagne, en base au wewe, comme wewe, un scientifique, bien sûr, encore jeune, même si les statuts peuvent être différents. Ni ma défi gagne, en base au ulikuwa, unakutana nazo, katika parcours scientifique ya kuama ambazo hadi sasa labda unaweza kuona kutana nazo. Défi kubwa ambayo nilikutana nayo wala ninaendelea kutana nayo ni acceptation ku niveau local. Unachua vitabu vingi vinasema kama nabii anaheshima kwao. Tu sais, tu peux avoir des capacités mais pour que wa consommer ile connaissance yenyewe na produit sawa tumeandika déjà vitabu, article na tunaendelea kufanya ngine maanalizi. La défi kubwa ambayo tunakutanana ni acceptation ku niveau local. Kuna watu hawajaitika kama fulani anaweza tuapporter kitu kipya, anaweza leta mawazo mapya ya kujenga société yetu. Hiyo ni défi kubwa ambayo tunakutanana nayo katika muji na tarafa yetu ya Uvira. Donc wanaweza tarajia sociologi atoke mbali, architecte atoke mbali, wala mtangazaji bora atoke mbali. Et pourtant tuko na watangazaji wazuri hapa ambao wanajituma, wanajitolea kufanya
utafiti katika domaine ya journaliste. Donc défi yangu kubwa ambayo nimeikuta wala ambayo ninakutana nayo ni acceptation ku niveau local ya makapasite na analyse tuko tunafanya kwa maendeleo ya jamii. Jambo la pili, défi tuko nayo ni consommation ya ma stratégie ambayo tunatiaga, maanalyse tunatia m société, cadre ya développement sociétal yetu, les événements et les faits sociaux. Nasema kwa hii problème social, voilà les solutions apportées. Voilà les stratégies qu'il faut faire. Tu as compris que ma folie que tu le ma piste de solution. Quand il y a ma conflit, il y a ma groupe armé, moyen au plateau ouvert. Comme sociologue, nous avons donné des pistes de solution. Mais est-ce que c'est qu'on consomme? Est-ce que c'est qu'on prise en compte? Voilà notre défi. Tu n'as émettre ma nouvelle idée, tu n'as émettre ma nouvelle stratégie. Mon cadre a conseillé à Jamie et tu ici, même ça. À quoi on a mené le passé pour quoi on a amené? Et tu as compris d'où nous t'engages à quoi? Société de ziliendele, zilikuwa na wasomi pembeni yao, ambao wana tracé ma solution, ma problème sociétal, ma problème sociaux. La qui n'y a pas quoi tout. Voilà, c'est mieux quoi, Jumla DRC. Les résultats scientifiques ne sont pas consommés en même titre que Manchi Zingine. Et pourtant, pour que tu résoudes ma problème social, ma problème dans ma vie, ma problème des éco-communautaires, ni la cima, ou asomi, ou atafit, zaidi, pas asomi tout, mais atafit, katika domaine flan-foulan. N'a pas de quoi. Tuko tunachia nafasi nyingi ma ONG, tunachia nafasi nyingi ma association locale. Bali wanakuja na ma solution zenye ziko éphémère, solution za kupita. Mais mimi scientifique wa hapa nyumbani, nitakupatia solution zenye ziko durable. Zenye tukifanya tukitraiter problème fulani, tunaleta na ma solution yenye nafanya raia iendelee katika ya entrepreneuria, katika ya uchumi, katika ya kijamii, katika ya utafiti ya education, katika ya culturel. Tout qu'on a ma piste de solution, c'est zico durable. Mais est-ce qu'on a reconnaître que tu nous as apporté ma stratégie ou ma solution durable, ma problème, c'est tout qu'on a. Lakini on a tamani, waende, ma ONG fulani, ma centre fulani, zainje. Et peut-être qu'on a ma centre, c'est une affaire de ma étude, pour que tu retiens ma solution, ma problème, c'est tout à pas animal. Bon, Shukuru Shemitalo, en tant qu'enseignant, les universités ou les institutions supérieures, les domaines. Ama na face yambako, l'âge ne fait pas débat. Il suffit d'être devant pour dispenser la connaissance et être le chef. Mais toujours sur le plan comportemental, quel que soit âge na différence, il y a enseignants na, à l'auditoire. Pour ceux-là qui ont encore des esprits en bas aux Ikobénine, qu'on croit qu'on a la méfiance. Oui, comme oui, à vous voir, détails immense. Pas aussi vieux, encore jeune. Mais nous avons dit qu'on a dû comporter face à la situation où mon auditoire en bas, on a qui dispensé ma cour. Oui, na frère, ça n'a pas salé nzuri. N'a dû fournir qu'on est toujours être enseignant à l'université, c'est une question de vocation. C'est une question de vocation qui doit être ressentie par l'enseignant. Parce que quand tu as une vocation, tu as cette capacité de dominer l'auditoire. Et mais je me souviens, je vais partager une expérience. En 2016, je suis appelé à enseigner à l'ISTEM Uvira. J'ai assisté le professeur Malabi Tchoub, c'est un sociologue de l'ISTEM Uvira, que je salue d'aller en passant. Quand il m'a assisté, il m'a fourni un cours d'éthique et d'ontologie, mon G3, sciences infirmières, quoi, la santé publique, tronc commun. Étant jeune, en 2017, 16-17, il m'a fourni un CP, chef de promotion, en Afrique. En me voyant en tant jeune, banafuzi bana hésité kuingia auditoire. Mais niambia c'est peu ite banafuzi wambia kama mwalimu amefika. Na ni mimi. Alafu sa wanafika wanasikia namna gani anavyodominer auditoire, enseignement na toa, matière na toa, sa le yote kakuwa kimya, nikagu ile siku nipate experience kuyo kama kudominer auditoire ni kitu kinatoka ndani. Et non quelque chose qu'on va apprendre. Na depuis 2015-16 14, nilianza kufundisha kwa mission d'Uvira. Nishafundisha ku INDT Uvira, ISDR, nishafundisha ISTEM, nimefundisha ILBC, nimefundisha IPP, kule Kilomoni nimefundisha, na sasa niko mwalimu ku ISP Uvira, ambapo niko permanent. Na hapo ninakuwa chef de travaux avec maîtrise, déjà inscrit à l'école doctorale, ku niveau ya Kinshasa. Donc, nimegundua kama l'âge ne peut pas faire défaut si tu as la connaissance, si tu as quelque chose à transmettre ku wanafunzi. Donc, il y a un défi kwa watu ambao walijiingiza katika secteur awa maîtrise na wana matière kupatia watu. Unajua uzuri wa enseignement supérieur avec l'âge enyeko kidogo ni kama una maîtriser benye unafundisha.
Même les étudiants savent que oui, moi, il y a un peu de temps. Et non, système éducatif, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps pour faire des recherches. Il y a un peu de nouvelles connaissances. Il y a un peu de temps en 2005, il y a un peu de temps en 2002, il y a un peu de temps. Et pourtant, matière tout n'a pas allé ni matière ni n'a quoi renouveler on n'a pas quoi n'a dit adapter. Voilà un peu qui tout ambacho qui n'a ni fanya quoi affronter le monde académique, le monde scientifique. C'est par rapport à ma recherche effectuée, c'est par rapport à ces nouvelles méthodologies que nous apprenons. Parce que aussi comme alim comme au difunzi aussi comme alim comme au tafuti matière à partir on a funzi il y a un peu adapté na domaine ya. Voilà un peu sociologie de tout former, moi, l'essence, que j'ai adapté, que j'ai intégré. Là, j'ai rejoint Max Weber et Emile Durkheim par la théorie de l'intégration. Donc, quand tu as quoi, moi, l'immo, tu as quoi, j'ai intégré, qu'au niveau de Wanafunzi, que ma caprice est Wanafunzi, que j'ai été tout bien, bien adapté dans le domaine de recherche, par là aussi, d'y en sortir. Voilà, nous allons demander à la régie de nous préparer une petite pause musicale, en attendant que Shukuru Chemitalo a osé répondre à cette question. Ni kwamba ali naendelea kuwa naonekana kwamba le niveau éducationnel la RDC, kwanzia kwa école primaire, école secondaire, même les universités, kama intelligence na elimu iko inaenda inashuka. Tuliambiwa siku za nyuma kwamba nos anciens parents ou nos grands-parents walikuwa ukifika ku niveau ya kuwa na certificat d'études primaires, donc déjà au cadre intellectuel mumile ambayo kondani yake. Mais aujourd'hui nous sommes en train de déplorer les défenses publiques qui sont organisées, les défenses des travaux académiques. C'est déplorable d'entendre un étudiant parler wewe kama wewe unakuwa na mtazamo gani kuhusiana na hii degringolade ya niveau éducationnel ya raia wa Jamhuri ya Demokrasia ya Congo. Kwa hapo ndaweza sema mambo mawili matatu ambayo kimechangia ku system educatif congolais kushuka. Jambo la kwanza ni abandon ya gouvernement congolais mu secteur educatif. Nikisema abandon, nasema kwamba kuamiachilia responsabilité fulani hii miaka yote imeisha. Kulipa wanafunzi walimu vizuri, kutia bursa kwenye masomo, kufanya makonkuru ya wanafunzi bora, unatarisha walimu hawako bien encadré. Na wakati walimu hawako bien encadré, nakutanisha kwamba matiri wana transmettre haiko efficace. Wakati mwalimu alipi vizuri, kuna kuwa konsekansi negatifu nefaste ku edukasyon wala kumatiri amba napana kuole mtoto. Mfano napana, mwalimu ajakula tangu jana. Anataka fundishe nini leo. Or, preparasyon yake, ndio anambukiza mwanafunzi. Donc, ni bini mwalimu ikunabyo ndani, njua anapatiaka mwanafunzi. Wakati mwalimu anakia na mafatigi, anakia na njaa, anakuya na makimile, alifundisha kwa maekole tatu. Anakuya kufundisha wanafunzi, amechoka tayari. Pale hakuna mwanaweza kupanda. Iyo ni mambo jambo la kwanza ambalo linafanya, masomo, wala education, system educatif congolais kukua chini. Jambo la pili, ni marchandage ya education. Construction de école, par-ci, par-là. Unakutanisha kila mtu ambaye iko na utajiri yake kadogo anaweza jenga ekole, anaweza angaje, anaweza recruter. Unakutanisha mwenye iko promoteur wa ekole ana hata certificat. Voilà un autre problème que nous avons mon secteur ya education. Et puis wale wote biko na marete iko na madocuments des amoureux vous en partie autonomie ya kuwa na masomo. Lakini ye peke hana capacité ya kuwa na masomo. Le serikali inampatia ile uwezo. Donc, on a obtenu cette personne, c'est le cas, il a changé. Jambo la tatu, on a fait une éducation et tout ce qui est chini, ni il y a tout le recrutement des enseignants insuffisants. Koukoua walimu. Mwalimu ye peke, ana capacité. A ta transmettre gain. A ta transmettre, mais insuffisance, elle y en a. Mais il y a fait un enseignant insuffisant retransmet la matière insuffisante aux étudiants, aux élèves. Les étudiants aussi qui iront transmettre la matière insuffisante à d'autres élèves insuffisants. On a obtenu cette éducation en tout cas. Donc, insuffisance, il y a Mwalim, il n'a pas le mot que génération à génération. Et pourtant, pour être enseignant, mon mien, quand il est petit, il y a quoi ma qualité, il y a quoi ma vie, il y a quoi ma pourcentage, il y a quoi ma vie. Lakini, il y a obtenu ça, Mwalim a quoi recruté sur base du colonisme. Kilima, huyu ni wakilima yetu. Wakilima hewa, wakilima
Kilimanjaro, huyu ni wa Kilimabora, mtoto wa shangazi yake ya mloko yake baba mdogo. Wanamtia pale. Eske iko na uwezo ya kupana chochote? Atapatia wanafunzi nini? Sasa so, wakati mna, wale watu wanakuwa wengi msekteri edukatif, ndugu mtangazaji, hakuna ya kwenda gauche droite, education itakuwa chini. Et c'est pas là qu'il faut encore commencer kuyua qualité gani ya walimu tutarecruter na ku école primaire na ku école secondaire na kwenye vyuo ma université. Hapa nitakupatia mfano. Sisi tunafundisha watu kwenye chuo kikuu université wala ma institut supérieur. Mwanafunzi kule tutamfundisha na grammaire. Atutamfundisha tena kusema. Atutamfundisha mambo ya niko elementaire. Kule tunakuwa ni masaa, niko na kuya saa 13. Sita kwa jata na ortografi, sita kwa mbea wanandikaka hivi. Hivyo vitu unapisha kuvianzia kwenye msingi. Sita kumusingi, hakuna walimu wazuri. Mtusha kwenye ekoli sekondari. Mwanafunzi kwa incapable kufanya dikte. Kwa universite atafaa dikte. Hakuna. Mtusha kwa universite hakuna tablo. Niko na katablo kwa mka dogo na marker. Sina chaki. Na moi aussi au niveau des universités vous êtes responsable parce que il y a comme propos ambayo inatamba kwenye ma université tofauti na ma institution tofauti, tous ont payé, tous ont réussi. Finalement coup de défense ya ma travaux défend des cycles ou défend d'études unakutana kwamba ni catastrophe. Vous avez été responsable durant parcours académique au étudiant pas kafikie pas. Hiyo sasa mu miaka mitatu utaota bashe pita miaka 12. Miaka tatu ni midogo kimya. Kama inarashis paka wafike kwa inakuwa ni inakuwa sasa unakutanisha ni problem yenye tunaanza ita inakuwa ni problem entre famille wala mwanafunzi na masomo. Mimi nimeona wanafunzi ambao wameacha masomo bila kudefend sababu mwalimu alikuwa rigure. Tunapoingia mu rigueur scientifique unakutanisha watu wanaanza inakuwa ni ma discours. Nitakupatia mfano ndugu mtangazaji. Mimi napoingia msal de surveillance wanafunzi wanakimbia. Nikisilveye kisame wanasema ule iko na roho mbaya saa ya watu fulani. Sababu gani? Sikubali mwanafunzi yeyote angalie kukaratasi ya mwingine. Sikubali mwanafunzi alete kakaratasi kanya anaandika kwa vyako vyake. Mimi nakwambia ukikaa hapo kama mwanafunzi, maana ni wewe na kae yako na dokima yako na papia yako na bike yako. Imeniziletea matatizo leo. Nimeonekana kuwa mwalimu mbaya. Imeonekana kuwa kama huyu anataka badilishe nini? Hatafanya nini? Nikasema kama ndakuwa msaada surveillance examen, kama kukuya unasoma maana yuko na zero. Na hiyo nilitaka walimu wote waambatane na hili. Hiyo ndio inafanya wanafunzi kuwa mwanafunzi. Jambo la pili, niliingia attitude ya kuambia wanafunzi wafanye synthesis ya vitabu. Naleta vitabu, wewe utafanya synthesis ya hii page, unafanya synthesis ya hii page. Wanafunzi wanakimbia wanasema hivi kwa natuletea tubiju. Et pourtant après ma somme la société va consommer le diplôme que tu as. Na wanafunzi wengi yuko na problem ya kukua konsome na société parce que habana capacité ya kudefendre ile diplôme. Or le diplôme ni papier. La connaissance acquise ndio t'exploiter. Niliona wanafunzi mwa alimaliza kuistem na muambia wanatafuta mganga fast fulani amekata. Umesoma kinganga. Namna gani utakata kwenda kutunza? Wewe umesoma ku ESP pédagogie. Wanatafuta mwalimu mu histoire mu psychopédagogie mu géographie. Tunakuita unjo ufundisho unasema mimi sifundishi. Hapo mimi sina mawili. Ninaona kama insuffisance ya capacité mu domaine yako. Na hiyo tunapaswa kuikombattre kama walimu. Voilà, merci bwana Shukuru Chemitalo pour ces analyses. Nous revenons sur le plateau. Bwana Shukuru Chemitalo, nous avons longuement discuté de vous. Mais parlons cette fois-ci de cet événement, conférence ou débat ou exposition autour du leadership intergénérationnel et la promotion de la jeunesse dans les églises à port et défi. Hi événement inakuwa na malengo gani ambayo mnaipanga hii tarehe 17 mwezi Januari ambayo inakuja? Kwa kweli tunaposema leadership intergenerationnel, makanisa ni kusema kwamba jukumu gani la wazee kwa kusupport vijana ili kuleta maendeleo katika mji wetu. Aporo gani vijana wanaweza kuonesha? Aporo gani kwa wababa wala wazee wanaweza kuonesha? Na nini ambao vijana wanaweza kuacha comme défi ili wakue watu wazima ili jamii yetu ipate kuendelea? Na hii evenema ni kusema kwamba tunataka tufanye journée de réflexion. Vijana wa kanisa wafanye journée de réflexion, wa réfléchir juu ya leadership, uongozi. Namna gani wazee wanaweza kukamata vijana, sababu leadership intergenerational ni kilalo. Namna gani wazee wanaweza kupitisha vijana kuwaingiza katika mambo ya maendeleo ya mji na tarafa yetu. Na nisema kama ni ile écart de valeur na désir et affirmation à jeunesse.
Donc, wazee wana mavaleri fulani, wana ujuzi fulani, wana savoir fulani. Alors, inafanya ekari na bajeri wangali wanataka na wajua. Alors, vijana wanakuwa na desire ya kujiafirme, ya kuonekana kama na wanajua. Alors, beba takubali kuonesha kama au wanajua na kuwaingiza msisteme ya maendeleo ya maisha ya jamii au ya kanisa ni wale wazee walitangulia. De manière analytique, quelle est la situation à Pakwetu concernant hiyo idéologie labda ya wazee kwa kugota vijana kwa kuweza kupromouvoir leadership yao. Hapa kwetu kuko kupire. Kuko kama espace kijana kusogelea mzee wala mzee kuitaka kugota kijana, msekteri zote utaanza kama kuko utafauti. Na ukitacha mzee anakogota kijana ni mkadri ya kumexploiter. Or ile exploitation ndio tuko tunasema hapana. Kama kijana kama mzee atakogota kijana, amkogote munia ya kumfunza, ya kumwachia kitu fulani ambacho kitamsaidia ule mzee atakuwa haiko kesho. Bali watoto wanahériter zile capacités, zile compétences, ile société tupate kwenda na évoluer. Et non, mzee umoya kitoka kuna bakia shimo, kuna bakia vide. Oh, nani tena atafanya hii kazi? Hakuna jeune hata mmoja aliyehériter zile compétences. Voilà un peu leadership intergénérationnel. Donc, wazee watie vilalo, watengeneze mapon, zitawainire ebo, na vijana wapitie pale, ili kesho, wale wazee watakuwa hawako, vijana wanafanya, wanakomble le vide. Et non, mzee akikufa, wala mzee akizeeka, zile compétences zinapotea. Je vais donner un exemple. C'est l'aspect politique leo. Tuko na bazee walikabasha kawia mpolitike. Lakini, banapende bakuwa akompanye na bazee. Est-ce que pour les orienter? Non, mais si c'était pour les exploiter. D'abord, c'est l'aspect culturel. Tuko na mamila na desturi zetu Uvira. Mtu akikufa, kuna ile tunaita maheritage, kule maseremoni funeraire. Mba tunasema ya kuimika. Sasa, leo, ndugu Cedric, ukifika Uvira, kuko wazee tu iko duate. Kuko bazee tu niko duate. Mekuliza bajene ngapi ambao mmefunza mwa hii domaine. Bile ya kuimika. Sasa huyo utakuwa huu. Mwana abulizi. Bile. Unakutalisha mimi nilipana hipotezi. D'ici 30 ans, tutakosa matatia mwenzake. Juu ya nini? Wazee hawakupenda kufundisha vijana. Wala vijana hawakupenda kusogelea wazee. Tukienda mwa aspect ekonomiki. Tuko na mavita leo ya mafamilia ya heritage ya mali. Baba anakufa, mali inakuwa dilapide, mumwe haina inaisha. Juu ya nini wazee hawakutaka kuconnect vijana katika hali ya kutafuta kama ni kutafuta pesa katika njia ya uchuuzi. Ifo kuconnect vijana ona njia ya uchuuzi ni hii. Kijana anajisentir iko mu relation na baba yake wala na wazee wake pia iko autonome katika hali ya uchuuzi. Inaiparnye kesho na makonflit na mizozo katika jamaa yetu katika jamii yetu. Donc ni lazima génération ambayo imetutangulia imetupresede ijue kuanza kuandaa. Na hapo ndipo tunajua si l'aspect religieux ambao tuko makanisa, ni lazima makanisa iandae vijana katika hali ya kusupport na kusaidia huduma mbalimbali ziko ndani ya makanisa kuliko kuwa na watu ambao kesho watakuwa wako lakini hawawezi kufanya chochote. Donc biko physiquement mais katika hali ya matendo, katika hali ya kutenda ni incompétence notoire. Voilà un peu lengo ya hii journée de réflexion. Na autour ya hii postulat ou soit penser de faire les choses. Wewe unafikiri ni madefi gani ambazo kama hii approche inaweza kuwa adopté ya kuwafanya kwamba vijana wasogelee wazee na wazee waweze kwa kugota vijana. Ni defi gani ambazo zinaweza kuwa ambazo lazima tuweze kuvivuka pour que cette idéologie soit bien assise. Defi moja kubwa ni ile watu wanaifanya compétition. Wakati watu wanafanya competition, ina crée polémique, ina crée problème entre la génération précédente et la génération montante. Et pourtant, elle pas choua compétition. Awa waitiki wafunzwe, na awa waitiki kutransmettre connaissance na matière, na ma capacité ku nouvelle génération. Iyo ndio défi mwa niko nakutanisha kubwa mu matière ya leadership intergénérationnel. Wawa wanaona kama awa ni waremplaçant wetu, lakini hatuta wafundisha. Basike ni gombo. Est-ce que utabaki éternellement kwa zile maposte? Ajibu nasema hapana. Donc défi moja kubwa wasione kama ni compétition lakini waone kwamba ni complémentarité. Deuxième défi katika hali ya leadership intergénérationnel ni kwamba vijana wako wanajidissocie. Bile ni vya bazi. Bile ni vya bali. Voilà. Et pourtant tuko mu continuité ya société. Kama hatuta respecte processus ya société, tutajitrouver wakati mwetu na bakia, mwetu tunaita anarchie sociétale. Anarchie sociétale signifie quoi? Kila mtu ataishi gisi anapenda.
voilà qui s'en attaque à coup. Et pourtant, il y a des normes et valeurs culturelles ou sociétales qui doivent être maintenues. Mais on a pas donné une tendance mais conservatiste. Bien que tout soit comme progression, mais il y a certaines valeurs, il y a certaines normes. Il n'a pas quoi maintenir pour que société y existe comme société. Napenye kuna kusa mwaspere dize kwamba ni lazima viongozi wa makanisa wajue namna gani watajere na kuongoza ili ku connect vijana. Voilà, labda kwa kuweza kumalizia na wewe bwana Shukuru Shemitalo, ni nafasi gani, rappelez-nous un peu la date na ni aina gani ya watu ambao wanahitajika kwamba waweze kuparticiper kwa hii conference ambayo mnaipanga le 17 janvier. Tellement que ni journée unique férié, iko congé. Tuliona kama wa jeune wa kanisa la UTMC Park Philippe Kakungwe hawawezi kubakia wazi yunje bimbarabara, tukasema kama tu réfléchir juu ya leadership intergénérationnel. Itakuwa le 17 mardi ku kanisa la UTMC Park Philippe Kakungwe ni juu tu pale ku colline avenue Shabunda ku escalier. Tuko na besoin ya ba jeune, tu inculquer ba jeune ba eleo na fasi ya wazee baile una nafasi yao na namna gani watajizogeza kwa wazee ili wapokee ile elimu iwasaidie kujenga jamii yetu ya leo na ya kesho. Parce que moi je suis pas d'accord avec cette phrase et ils disent que vous êtes le Congo de demain. Nous sommes le Congo d'aujourd'hui. Oui, parce que nous devons participer. Nous ne vivons que le présent. Le présent, oui, parce que le futur doit appartenir. Et donc, il faut que je change ma façon ya kuwaza na ma misemi. Tunaishi Congo ya leo. Na watu wataka Congo ibadilike. Leo ndio tunapaswa kubadilisha. Et notre aspect qu'on attaque kuonesha makanisa inapaswa kuintégrer mon leadership ya notion ya civisme. Question d'éthique ya état. Namna gani kijana anaweza changia? Anaweza kuwa mkristo mwenye anachangia kwa majengo, kwa maendeleo ya nchi. Na itufanya tunaona vijana wengi wa Kristo wako na mambo ya nchi kama c'est pour les autres. Et pourtant, quand on est jeune chrétien, on est aussi citoyen. Et donc tunapaswa kuwa na notion ya civisme katika mafundisho yetu ya kikanisa ya kila siku. Ni hapo ndipo tunasema tutawazungumzia leadership intergenerationnel, kuonesha apport ya vijana mu secteur zote, mu santé, mu secteur juridique na mu secteur économique pia. Voilà, bwana Shukuru Shemitalo, acha kwamba tukushukuru. Et c'est ici que nous mettons un terme à cette deuxième partie, mesdames et messieurs. Tout le monde a senti ça, nous avons participé. Nous prenons une petite pause, nous revenons pour dire au revoir aux téléspectateurs. À santé. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quelle Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être... Voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Chaïdi Télévision, et c'est par ici que nous mettons un terme à cette antenne d'animation matinale Bonne Humeur. Ici, nous avons souvent l'habitude de pouvoir vous bercer dans des parties comme la célébrité du jour qui est corrélative à la date de naissance d'une certaine célébrité. Et aujourd'hui, nous sommes le 11 janvier, nous avons parlé de Philippe Chevalier, cet humoriste et comédien d'origine française. Et nous avons eu dans la deuxième partie, Monsieur Shukuru Shemitalo, ce sociologue et scientifique de la ville d'Ouvira qui nous parlait un peu de lui. Nous avons fait un portrait et nous avons parlé de leur conférence qu'ils projettent animée. Ça sera en date du 17 janvier, donc le mardi prochain. Nous nous séparons avec vous en beauté, tout en souhaitant excellente journée, excellente condition à la suite des programmes des chaînes de télévision. Nous disons également merci à Alliance Massimango qui a été derrière la caméra. Merci également à Trésor Toali qui était à la partie régie. Merci également à toute l'équipe des chaînes de télévision. Merci et à la prochaine.